Hélène de Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte, je vous mets au défi d'écrire ça, sans faute. Saint-Hippolyte. Bonjour, je voudrais enlever mon conjoint de fait de mon testament puisque je suis séparée depuis 6 ans. Là, je comprends, Hélène, que ce n'est plus votre conjoint de fait si vous êtes séparée de lui. On pourrait dire votre ancien conjoint de fait. Hein? Je vous nargue un petit peu, là. Je me paye votre tête, Hélène, ce matin. Première question d'Hélène. N'étant pas très en moyen, j'aimerais savoir ce qui me coûterait éventuellement le moins cher. Donc, ajouter un addenda ou refaire mon testament. Un addenda, on appelle ça un codicille. Hein? Ça aussi, je vous mets au défi d'écrire ça. Un codicille, ça s'écrit codicille, mais on prononce codicille. Je peux pas parler pour les autres notaires, mais moi, en tout cas, quand j'étais notaire, je le suis toujours, mais je veux dire, quand je pratiquais, je chargeais moins cher pour un codicille, puisque c'est moins compliqué à faire. Ce n'est qu'un ajout au testament. Par contre, ici, vous ne pourrez pas, parce que vous voulez enlever votre conjoint de fait, votre ancien conjoint de fait. Je présume que vous lui léguiez tout à cet ex-conjoint-là. Et ben, c'est la disposition principale de votre testament. Ça ne se modifie que par un nouveau testament. Donc, vous n'aurez pas le choix dans ce cas-là. Et oui, de grâce, modifiez votre testament. J'ai écouté dans mes livres, là, Martine, elle va mettre des liens. Martine, elle va mettre des liens pour le programme en ligne Testament, s'il te plaît. Puis tu vas mettre un lien aussi pour ma trilogie de livres, s'il te plaît. Parce que j'ai des histoires d'horreur, qui sont vraies, là, ces histoires-là, que j'ai vécues dans ma pratique notariale. Des testaments qui n'ont pas été modifiés, la personne est décédée, puis là, c'est pas les bonnes personnes qui héritent, puis c'est des cauchemars, et pour le notaire, et pour toute la famille, ça n'a aucun sens. Donc, oui, Hélène, de grâce, faites-vous faire un nouveau testament, et c'est pour ça que Martine va vous mettre le lien pour vous procurer mon programme en ligne. C'est moi qui vous parle, donc je vous informe sur tout ce que vous devez savoir avant d'aller chez le notaire pour faire votre testament. Dans le fond, c'est de vous aider à comprendre notre jargon et toutes les clauses spécifiques, les choix que vous avez à faire. Bref, une foule d'informations dans ce programme en ligne-là. Deuxième question d'Hélène. Mon frère me suggère simplement une rencontre avec le notaire où j'ai mon testament et de voir cette question avec lui, c'est sûr. Est-ce que ce même notaire ne va pas me trouver un peu idiote? Il n'y a jamais de question idiote dans la vie, pas toutes. Non. Au contraire, votre notaire, bien évidemment, il va vous jaser de tout ça. Mais comme je vous dis, si vous voulez vous procurer le programme en ligne avant, après ça, vous allez être capable de jaser avec. Parce que vous allez avoir tout le bon vocabulaire. Vous allez comprendre de quoi il parle. Hein? C'est ça l'idée des programmes en ligne que j'ai fait. C'est simplement pour vous aider à vous préparer avant d'aller chez le notaire pour pas arriver ça sauve du temps et de l'énergie. Voilà pour Hélène. Je vous invite à la partager, cette chronique, à vos amis Facebook si vous croyez que ça peut servir à d'autres. Je vous invite à consulter mon site internet mariejoséesaintlaurent.com, l'autre de ma maison d'édition, maisonéditionsaintlaurent.com. J'ai pas parlé de mon domaine de villégiature, des chalets en Boiron à louer dans les Laurentides, domainelamarieuse.com. Je vous invite aussi à vous procurer vos billets. Je parle pour la région de l'Abitibi, vos billets pour ma chaufférance, mon rodage de ma chaufférance intitulé « Vaut mieux en rire avant de partir ». Rodage, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver là-dedans. Tout peut arriver dans un rodage. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Voilà. Sur Marie-Josée Saint-Laurent / chaufférance. Merci infiniment et à la semaine prochaine.